Aujourd'hui, on est à Scottsdale, en Arizona. On était au plus gros encan de voitures de collection au monde, l'encan Barrett Jackson. À Barrett Jackson, on retrouve plus de 1600 voitures vraiment incroyables, allant d'une Ferrari de Justin Bieber à des voitures vedettes de films comme la Mustang de Parti en 60 secondes. La façon que ça fonctionne, devant chaque véhicule, ils ont un petit iPad où on peut voir toutes les informations de chaque véhicule. Puis si on veut mettre un enchère sur un véhicule, ben on peut le faire directement sur l'iPad ici. Cette voiture-là, elle a appartenu à John Lennon. Elle a été dans un documentaire qui s'appelait Imagine. Je veux trop avoir ce char-là. En dedans, là, tout est genre vraiment... Tout est vraiment épuré, là. Check. C'est juste du stainless. On dirait un gros lavabo pour faire sa vaisselle. Il l'appelle le Alumatub. Ça a été fait par une émission de télé qui s'appelle American Hot Rod sur Discovery Channel. Vous demandez si le véhicule que vous voulez acheter il y a de la rouille. Vous pouvez voir en dessous du véhicule, ils ont mis des miroirs pour qu'on regarde en dessous. Ce monsieur-là, Rowell, lui, il fait des Porsche wide body. Il découpe toutes les ailes, puis il fait comme mettre des petits rivets, puis il fait toute la carrosserie plus large. Ça donne vraiment un look malade. Ah, il est malade. Check les bacs. Je pense que tu peux tout enlever le doigt si tu veux. Au cœur de l'événement se retrouve l'encan où les voitures s'enchaînent une après l'autre et en moins de quelques minutes, les voitures trouvent preneur. Juste à écouter l'encanteur est une expérience qui vaut le détour. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des simulateurs de course, des avions, des VR, des prototypes de véhicules qui n'existent même pas encore. Notre prochaine aventure, une Tesla avec une Airstream. Ça serait pas pire, hein? C'est tellement grand. Ça va jusque là-bas. Vraiment, on en a pour toute la soirée. La couleur est incroyable. Thrill rides and no sales reps. I mean, it's that quick and easy, guys. Super simple. Come on over. Let's go. On va faire une ride de Dodge Charger, de Dodge Viper. Country music with that. Yeah, man. Everything is perfect.
get all that on video then? Yeah. All right, cool. And that's 360? Yeah. That's awesome. So you're on it. Never seen one with a little handheld. That's awesome. Oh, wow. Thank you very much. Thank you, guys. Thanks. Thanks a lot, man. Y'all here all week? Yesterday, all week? Well, just today here, but all week in Phoenix. Okay, cool one. Enjoy it. Thank y'all. Appreciate you, bye. Hey, she went me. Side by side, yeah. On est maintenant au kiosque de Traxxas qu'on va faire une course d'auto-téléguidé, Valérie contre moi. Moi, je vais prendre le véhicule noir, puis Valérie le bleu. Non, le bleu, il rentre dans le bleu. OK, je vais prendre le bleu. Ce fut une victoire écrasante. J'ai gagné. Non. Quand on va montrer la course, on va mettre une flèche vis-à-vis chaque véhicule pour qu'on comprenne lequel qui était toujours dans le mauvais sens. Yeah, right. Il était pris de reculons. By the way, c'est moi qui vais faire le montage. T'as-tu roulé plus longtemps de reculons ou d'avant? Oh. Notre journée est déjà finie à Barrett Jackson. On n'a pas acheté de voiture, mais c'était vraiment le cas.